aiment voir la nudité. Les femmes des autres dans ce village. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tous les gens de ce village font aussi voir la nudité de sa femme. Sans mes vêtements. Mais qui m'a fait les vêtements ici? C'est une blague, elle est vraiment de mauvais goût, hein? Ramenez-moi mes vêtements. Tu sais, toutes les questions n'ont pas toujours de réponse. Je te transporte ce bois jusqu'au village. Donne-moi la machette. Donne-moi le fusil. Tu le trouveras sous le prunier, hein? D'accord. Vraiment, je ne saurais comment te remercier. Un petit peu de choses. Je te dis que ma femme me masse tous les soirs. Dès que ça me fait mal, ma femme me masse. Où est le résultat? Où est le résultat, Bounou? Quel que soit le massage fait par ma femme. Ouais. Ça m'aille. Ah. Ma masse, Bounou. Rien. Rien. Azibi. L'affaire de dos. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui. Je peux te masser du 1er au 31 sans résultat. Mais Martina, Martina, il faut aller voir Martina. Ah oui, Martina, dès qu'elle te met la main dessus, elle est hop, tu es guéri. Qu'est-ce qu'elle a que ma femme n'a pas? Mais tu oublies que Martina est une Yanda. Ah oui, le problème des autres, c'est leur affaire. Va voir Martina. Elle va remettre ton dos en place. Oui. J'ai bien un homme sans dos. Ah mon frère. Il ne vit pas. Tu as raison. Ah oui. Tu as raison, Abouna. Je connais les Yanda. Je connais les Yanda. Avec cette histoire de massage de dos. Tu as raison. Je veux faire à manger à cet enfant tout à l'heure. Tu as raison. Le mois de demain est confirmé. Si, le mois de demain est confirmé. C'est à quelle heure? C'est à 16h. Comme j'en ai ici. Avec les gars de Bondi. Ah, ils sont morts, hein? C'est qui ici? Il y a quelqu'un à l'eau? Ah, le panier là, c'est même pour qui? Il n'y a personne. C'est un avançant. Il y a quelqu'un à l'eau? Oui. On aimerait se laver. Attendez un peu, s'il vous plaît. Et pourquoi? On m'a pris les vêtements ici. Je ne peux pas quitter l'eau. C'est qui même qui parle là, non? C'est moi, la femme d'Engara. Une chérie. La femme d'Engan? Oui. Ah, Engan? Ah. Oui. C'est que le gars l'a fait avec nos serviteurs au village, nos mamans et nos femmes. Ah, il fait ça dur. On va te faire ça dur. Gars, arrête-moi ma hache là. Jette-moi ça là-bas. Allons-y. Attends-moi là-bas. Est-ce que je dois alors payer pour mon mari? Non, laisse-nous tout ça. On verra ça après. Pardon. Les exagères quand même.
C'est quand même votre maman que je suis. Dans le Harry. Pardon, les enfants, pardon. Pardon. On arrive, on arrive. Et alors, on va lire mes enfants. Avec papa. Je vous en supplie. Chérie, qu'est-ce qu'on raconte partout dans le village là? Que s'est-il passé? Hein? Il y a eu quoi? Bec, 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 c'est toi qui demandes ce qu'il y a eu. C'est toi qui oses demander ce qu'il y a eu. Mais c'est tu es la cause de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Comment ça je suis? Tu passes ton temps à courir tous les chupons du village. C'est pour ça que quelqu'un a eu le courage de m'enlever les vêtements à la rivière. Mais tu sais toi-même que je n'ai ravi la femme de personne. Uh-huh. Mais ce sont ces femmes-là qui courent derrière moi. C'est toujours elle. Oh. Non, dis-moi, qu'il y a de quoi? Tu peux imaginer à quoi je ressemblais? De quoi avais-je l'air? Mais qu'est-ce qui s'est passé? De feuilles d'arbre et d'herbe pour cacher ma nudité. À ce point-là? Ah bon? Mon ami, les jeunes gens, après m'avoir tourné en bourrique, ont finalement décidé de s'en aller. Mais c'était pour avertir tout le village que j'arrivais en tenue d'Ève. Ah bon? Et du coup, c'est tout le monde qui avait quelque chose à faire à l'entrée du village. Ou même là, à la porte de ma cuisine. Comment ça? Mais je n'en crois pas mes oreilles. Mon ami, peux-tu seulement imaginer la honte que j'ai ressentie? Qu'est-ce que tu me racontes? Et personne pour me plaindre. Au contraire. C'est tout le monde qui était content que quelqu'un ait eu le courage de venger tous les autres. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que peux-tu seulement imaginer la honte que j'ai ressentie? Qui a osé te faire un tel affront? Toi, ma femme. Hein? Je sais pas. Je ne comprends rien. De toutes les façons, si je découvrais la personne qui a osé te faire ça, crois-moi, elle ne survivrait pas à la raclée que je lui donnerai. Et si elle survit, crois-moi, je la décapite avec ma hache. Ça, tu peux en être sûr. Inga, je ne sais pas ce que tu cherches dehors. Je te donne tout sur place et à la demande. S'il te plaît, écoute, chérie. Mais il faut que tu ailles guetter les femmes des autres. Non, chérie. Aujourd'hui, c'est moi qui en fais les frais. Le problème n'est pas de savoir ce que tu me donnes à la demande ou au doigt ou ce que je cherche dehors. Hein? Aujourd'hui, ça a été les vêtements. Demain, ce sera quoi? Qui me garantit qu'on ne me tuera pas? Bon. À partir de maintenant, ma décision est prise. Je t'accompagnerai au champ tous les jours. Ne sois pas bête. Et puis, c'est ridicule. On va se moquer de nous. Mais qui va se moquer de nous? Tu pourras parler partout avec moi. Mais qu'on se moque de nous, je m'en fous. Mon problème, c'est que tu ne te fasses pas tuer. Alors, ma décision est prise. Je vais avec toi au champ. Laisse tomber.